Début mercredi 14 décembre 2022, des séances de défense des travaux de fin de cycle à l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM officiel de Mbujimayi, province du Kasaï-Oriental. Pour cette première journée, les étudiantes ont présenté tour à tour leurs réalisations et œuvres confectionnées par inspiration devant différents jurys. Pour sa part, le directeur général de l'ISAM Kasaï-Oriental s'est dit heureux de constater les réalisations des Respiandeurs. Oui, comme vous l'avez aussi constaté, depuis le premier cas ou le premier Respiandeur jusqu'à présent, ce sont des réalisations qui sont en train de nous être présentés par les étudiants des 3e graduat modélisme, mais également des 3e graduat coupé et couture. Alors des réalisations qui sont en réalité leur propre création. Et nous avons la joie de constater que jusque-là, tout celui qui présente prouve suffisamment que les 3 ans passés à l'ISAM de Mbujimayi, ISAM officiel bien évidemment, n'étaient pas en vain. ISAM officiel de Mbujimayi organise 3 filières que voici. Nous avons le modélisme, nous avons la technique d'habillement, communément appelée coupe et couture, mais nous avons aussi accueil, protocole et relations publiques. À partir de l'année académique prochaine, donc à partir de l'année académique 2022-2023, nous allons lancer la technique d'esthétique, comme le programme officiel est déjà là. La collation des grades académiques a lieu samedi 17 décembre 2022. En ordre, Madame Odile Mujinga, Marie-Jeanne Ngoyi, Antoine Bami, Enis Mbouyi et surtout le professeur